Avec Angela Merkel, non? Et je sais son engagement européen. Je sais aussi pour elle la blessure de voir des discours nationalistes et haineux. De ramasser des mégots par terre, de manger une boîte de thon. Bon, là, nous avons un gros problème technique. Tata, elle voit écrit brocante sur le mur. Alors là, je me demande. Bon, Ben Laden, il va bien. C'est un cycle, là même. Il a repris. Ça, si c'est les raisins miaulés, c'est rigolo. Aussi, je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. À ceux qui disent que la tâche est impossible, je réponds, vous vous êtes habitué à la résignation. Pas moi. À ceux qui disent que c'est trop dur, je dis, pensez à Robert Schuman, 5 ans après une guerre dont le sang séchait à peine. Sur tous les sujets que j'ai évoqués, nous pouvons donner une impulsion franco-allemande. C'est ça, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu vis de la merde? L'intelligence artificielle. Le pas se donner d'ici à 2024 d'intégrer totalement nos marchés en appliquant les mêmes règles à nos entreprises. Du droit des affaires au droit des faillites. Cet esprit pionnier et concret. L'esprit feuge, ça, c'est pas pareil. C'est celui du traité de l'Elysée. Bénéfice, profit, les amis des amis. Dans un nouveau traité de coopération que nous pourrons signer ensemble pour le 55e anniversaire du traité fondateur. Un petit peu plus haut que ton niveau. Le 22 janvier 2018. Déjà rassembler les monothéistes et pour faire la trilogie de quintessence. Nous faisons un traité de l'Elysée. Et des lois planétaires. Pas comme ça du tout. Est-ce que c'est les enregistrements pré-enregistrés? Ah, il change sa bouteille d'eau. Cette ambition, nous la partageons aussi avec l'Italie. Dès demain, je serai... J'ai la berlue ou ce con... Il était IG l'autre, hein? C'est rigolo. Moi, j'en ai fait pour la ville, laisse tomber. Mais cette vision, c'est avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg... Et tant d'autres partenaires. Bon, t'es un connard. Que nous la partageons. Là, pour le pognon, toi. 22 de mes homologues depuis ces quelques mois. Je veux travailler avec chacun d'entre eux. Avec humilité. T'as déjà essayé de te faire enculer par un sanglier? Parce que c'est notre moment. Le temps où la France propose est revenu. Et par un taureau, non? Je proposerai donc à tous ceux qui adhèrent à cette volonté d'une Europe souveraine. T'as essayé avec le scorpion, toi. Autour des axes que j'ai tracés. D'une Europe unie et différenciée, d'une Europe démocratique, en adhérant à la démarche des conventions, démocratique, de lancer dans les prochaines semaines un groupe de la refondation européenne. Il accueillera les représentants de chaque État membre volontaire et associera les institutions européennes. Avançons dès maintenant. D'ici l'été 2018, avançons quoi vers l'enfer. Et proposer les mesures qui mettront en œuvre les six clés de la souveraineté, en se nourrissant des débats issus souveraineté, des conventions démocratiques. Souveraineté, le pouvoir part pour avec les peuples, c'est tout. Vous le voyez. Part pour et avec la force de l'esprit. Et vous ne m'avez presque pas entendu parler d'outils. Ah si, je t'ai entendu parler. J'ai entendu dire des conneries, moi. A été de parler, de traités, de budget, de capacités.